know that in the heart of the French Alps, there is a city where 1 out of 5 inhabitants work in research, innovation, or higher education. Located in an exceptional environment, Grenoble's scientific life is unique. Together, students, scientists, and industrials are building a first-rate innovation campus, GIANT. What is GIANT? GIANT is 250 hectares dedicated to research and innovation. This is equivalent in size to 344 football pitches, 1,000 supermarkets, or 5,000 large theaters. GIANT is also the alliance of 8 prestigious partners. Research labs such as CEA or CNRS, international large-scale research infrastructures such as ESRF, EMBL and ILL, and last but not least, major universities and academic institutions such as Grenoble Institute of Technology, Grenoble School of Management, and UGA. In short, it is approximately 30,000 women and men who work together each day for innovation and science. How does it work? By bringing together a wide array of skills and expertise, and by providing people with the best equipment available, GIANT is answering the future challenges in ICT, energy, and health. Since its creation in 2007, GIANT has welcomed 10,000 students every year from across the world. Its researchers have published some 5,000 scientific papers and 600 patents annually. These scientific and technical breakthroughs contribute to increase the innovative abilities of local industries, as well as those of food. Technologies are invented and improved upon while supporting industrial R&D and creating jobs of the future. GIANT is here today to create tomorrow's innovations. L'Institut Lao Langevin est le leader mondial de la recherche par les neutrons. L'ILL a été le premier institut de recherche international à s'installer à Grenoble. Il est né d'une volonté de collaboration européenne entre la France et l'Allemagne, puis le Royaume-Uni. L'ILL est une infrastructure de recherche au service des scientifiques du monde entier. Il met à leur disposition les faisceaux de neutrons les plus intenses au monde, des instruments scientifiques de pointe en constant développement, l'expertise de ces scientifiques, ingénieurs et techniciens, tous spécialistes des sciences et technologies neutroniques. L'ILL accueille 1500 chercheurs par an et génère 600 publications scientifiques. Les neutrons sont utilisés pour sonder la matière dans des domaines très divers : magnétisme, biologie, physique des particules. Les recherches fondamentales trouvent de nombreuses applications dans les domaines de la santé et de l'énergie, entre autres. Plus d'un quart des recherches est lié à des problématiques industrielles. L'ILL est géré par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. 10 autres pays européens ont conclu des accords de partenariat scientifique.
Ces collaborations internationales contribuent de manière significative à l'excellence scientifique de l'ILL. Quand leurs projets d'expérience sont sélectionnés, les chercheurs des pays partenaires ont un accès privilégié et gratuit aux installations. L'ILL compte aujourd'hui 500 agents de 30 nationalités différentes. Ils portent une attention toute particulière à la formation des futures générations de chercheurs, avec en permanence plus de 40 thésards et de nombreux étudiants. Sur de nombreux grands enjeux contemporains, l'ILL apporte les informations indispensables au développement de solutions innovantes. Depuis des décennies, il met sa science et sa technologie de pointe au service de la société. Place where I can ask any scientific question. A fantastic place to work. My scientific family. Your booster for your skills and your mind. International legend. Een plek om schitterende wetenschap te doen. Ja, mis Emble, mijn tweede zuhause. I enjoy working at Emble because of the people and the spirit here, the enthusiasm, the youthfulness. Emble is very young. In fact, even the people who aren't so young actually are young at heart. So what I love is being able to interact with people and see how creativity transforms into action very easily and very generously. EMBL, the European Molecular Biology Laboratory, drives visionary fundamental research and technology development in the life sciences. We are more than 1,700 people from over 80 countries, operating across 6 sites in Europe: Barcelona, Grenoble, Hamburg, Heidelberg, Hinxton, and Rome. We study the story of life, with over 80 research groups covering the whole spectrum of molecular biology. EMBL ist ein internationaler, großartiger Ort, an dem spannende wissenschaftliche Fragen angegangen und beantwortet werden. EMBL Science is special because it's highly collaborative. It's really completely at the forefront of what is happening in various fields. EMBL science is quite diverse, but I think what brings it together is the multidisciplinary things coming together. EMBL is the place where I receive the freedom to tackle my research questions in collaboration with EMBL scientists and also visitors. EMBL is simply amniotic. It's a milieu which provides for the development of young scientists. At EMBL, we train the next generation of scientists. Every year, over 7,000 participants from all over the world attend courses, workshops, and conferences at the 6 EMBL sites. The training opportunities at EMBL are some of the best in the world, especially for PhD students. The main benefit for delegates attending conference at EMBL is that they get a very good overview over the field. They probably have all the big shots in the field coming together. Many national organizations have adopted many aspects of what we're doing in terms of research, in terms of training. I think EMBL thus provides a role model because of these young people that we train and allow to move on around the world. And so I think that really sets them up to become not just future leaders in science, but potentially future leaders in anything. Our core facilities and scientific services are open to scientists both from EMBL and elsewhere. We offer cutting-edge technologies that help researchers achieve ambitious goals. Our highly skilled support teams offer expertise and guidance to visiting users and to institutions in the EMBL member states that are setting up facilities of their own. Unique is that we are co-developing this with the scientists and industrial manufacturers, such that the technology is exactly tackled and targeted to the needs of our users.
It's a unique mix of expertise and specialties and people behind it. That makes it absolutely stunning. People here are, they just have the right mindset. They have this craziness that maybe at other places you rarely find. And they dare to, not to think of the problems that are on the way, but rather see the end of the way. And problems are just challenges. You want to find a solution. And that's what I like about EMBL. They find solutions to challenges. EMBL ist für mich ein Ort der fast unbegrenzten Möglichkeiten für junge Wissenschaftler, die Grundlagen des Lebens zu entdecken. To me, EMBL is youth, internationality, smarts, collegiality, and first-rate science. You can see it actually around the world. People who leave EMBL keep this spirit with them and propagate it. And I think that is, for me, the most remarkable thing about EMBL. Because the world is complex, fast-paced, and fascinating. ACT.
because ice caps are melting, leak, and resources are disappearing, impact. Because there will always be walls to tear down. I will build a great, great wall. Open. Because so much remains to be explored and discovered. Because we need to fail in order to learn. Because machine intelligence will disrupt our habits, and innovation only finds its meaning when it's universal and humanist. Create. Because equality is an ongoing battle, and there are always women and men who search and hope. I have a dream. Because new ideas are born from discussion, dreams, and daring. Because we have to rethink education today to impact the world of tomorrow, we are a school in movement, a laboratory of ideas, always open towards society. Act, think, impact. Ceci est une feuille de papier. Et avec une simple feuille de papier, on peut inventer de belles histoires. Comme Zoé, qui s'imagine conquérir de beaux royaumes. Et avec une banale couverture, Hugo devient un super-héros. Et puis on grandit. Et selon nos parcours, nos rencontres, nos choix, ses rêves ne se réalisent pas toujours. La feuille de papier redevient une feuille de papier. Et la couverture, une couverture. À l'Université Grenoble-Alpes de 2020, vous pourrez oser et réaliser vos rêves. L'ambition de la nouvelle Université Grenoble-Alpes, la voilà. Former des citoyens éclairés et des futurs professionnels socialement responsables, audacieux et ouverts sur le monde. Offrir à ses personnels un environnement de travail épanouissant, favorisant la progression de chacun, la créativité, le bien vivre ensemble et respectant la diversité. S'inscrire dans l'esprit pionnier de son territoire. Et développer une société entreprenante, plus juste, plus économe en ressources. Et enfin, intensifier les partenariats avec les entreprises et les collectivités pour proposer des compétences répondant à leurs besoins. Pour que Zoé invente un jour sur sa feuille de papier la ville du futur. Et pour que Hugo suive son chemin de sauveur. Une université reconnue sur le plan international, attractive, ancrée dans son territoire, moteur de développement. Une formation favorisant l'esprit critique et ouvrant vers une vie professionnelle riche. Une recherche qui repousse les limites du savoir et apporte des solutions pour construire le monde de demain. Un regroupement de nos forces et de nos talents pour répondre aux enjeux du 21e siècle. C'est la nouvelle université Grenoble-Alpes.
Bonjour à tous. Située à la confluence de l'Isère et du Drac, nous sommes sur la presqu'île de Grenoble, connue pour être un immense quartier dédié à la recherche et à l'enseignement. Mais savez-vous que c'est aussi un véritable lieu de vie, avec de nouveaux logements, de nouveaux espaces publics et une toute nouvelle offre de mobilité, avec un point commun, l'utilisation de technologies économes en énergie. Sur les 250 hectares du projet urbain Presqu'île, on va rechercher plus de mixité, des emplois, des logements pour la famille, des logements pour... Grenoble-Alpes, pionnier de l'industrie. Grenoble-Alpes, pionnier de l'énergie. Grenoble-Alpes, pionnier de l'électronique. Grenoble-Alpes, pionnier de la mobilité. Grenoble-Alpes, pionnier des technologies médicales. Grenoble-Alpes, pionnier de l'industrie du sport. Grenoble-Alpes, pionnier de l'informatique et du digital. Pour jusqu'à l'excès et jusqu'à ce qu'on en ait marre. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Je m'appelle Charlotte, je suis en études à Grenoble et j'adore le gâteau au chocolat. Christmas Day.
En quoi consistent vos études ? Je suis en études à Grenoble INP à FELMA et je me suis spécialisée en matériaux dits innovants, avancés. En trois mots, pour vous, c'est quoi Giant ? Alors je dirais innovation, diversité, enrichissement. À quelles occasions avez-vous pu être une ambassadrice de Giant ? Alors j'ai pu participer à la fête de la science l'année dernière. C'est un moment où on essaie de démocratiser la science auprès du grand public. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon ingénieur aujourd'hui ? Pour moi, un bon ingénieur, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision assez globale du problème qui lui est posé. On lui donne une mission, on lui donne un objectif, on lui donne des moyens. Et avec tout ça, il essaie de faire la chose la meilleure qu'il puisse. Et demain, je pense qu'on lui demandera justement encore plus d'avoir cette vision environnementale, sociétale, c'est-à-dire de prendre plus ça en compte et de prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il développe. C'est important pour vous d'être au cœur d'un campus d'innovation. Alors bien sûr, en fait, parce que quand on est ingénieur, il y a tout ce côté innovation et le fait de l'avoir vraiment ici autour de nous, d'être ancré dedans, finalement, ça donne un sens, je pense, à nos études, à ce qu'on fait, parce qu'on a un peu plus une vision de qu'est-ce qu'on pourra faire plus tard, en fait. Pourquoi on fait ces études-là ? Votre film favori ? C'est difficile. Le Chant du Loup. Je l'ai vu il y a pas longtemps, je pense que c'est pour ça que j'y pense. Thé ou café ? Café. Plutôt ponctuel ou en retard ? Moi, je suis plutôt très très en avance tout le temps, normalement. Raclette ou fondue ? Fondue, parce que je n'ai pas fait jamais de ma vie, en fait. Pour ou contre les playlists de Noël ? Pour, jusqu'à l'excès et jusqu'à ce qu'on en ait marre. Frohe Weihnachten. Okay. Je sais pas comment on dit la suite. Attends, il faut que je pense à ce que je vais dire derrière après parce que c'est... My name is Patrice Ranou. I'm a researcher for the National Center of Scientific Research. What is Giant? Giant is research at large in between people of different opinions, background, researchers, and it's the work of people united together to make progress in knowledge and understanding for building new worlds. In which ways you are a Giant ambassador? Giant is everything for me. It's the way I'm working. It's the place I'm working. It's the people with I'm working. Scientific excellence, what does it mean? The condition to reach scientific excellence are passion for science and research, dedication, and trying to gather all expertise around you to make new worlds with research and implementing research down to people level. What is the impact of fundamental research on society? Every invention, every tool you're using were previously discovered by someone doing some research. It's the root of a society. What should we wish to the CNRS for its 80th birthday? I think to continue what he has done in the past, in the near future, building new worlds through knowledge. What booth are we going to meet you at Grenoble Christmas Market? With no surprise, a chocolate one. Best wishes and Happy New Year's on Giant Campus. Hello, what's your name? Oh, you started. Yes! I did, for real. I've already started. Jingle bells, jingle bells. My name is Miriam. You? I'm Ed. Ah, cool. We're Miriam and Ed. What are your jobs about? I'm all around Europe and try to get new projects on. Giant is helping us because we are always telling them that we are a very innovative campus here. Yes, we need Giant for that. In three words, what is Giant? Green. 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 It's green. Mixed, international. Mixed. Innovation. And lots of nationalities. Open. Science, technology, teaching, training, young people, fellowships, travel, bringing people in. Grenoble. Joined up. It's key. Cheese, you're going down that cheese. Direction. Yeah, no, yeah, yeah, yeah. Cheese. Ed, in which ways are you a Giant ambassador? You? In which ways do you think I'm a Giant ambassador? Oh, I think see, you are definitely one because you are traveling a lot and you're always talking about Grenoble and the ecosystem in Grenoble and not only about the ESRF. I would never only talk about the ESRF. Miriam, how can you describe the Giant effect? The Giant effect is a bit of like ecosystem, something, synergies. I think that's a good effect. Coming all together and profiting from all being at the same place. Is pineapple an acceptable pizza topping? Of course it bloody is. No. Yeah, it is. My wife loves it. Okay, Miriam, Christmas with or without snow? Yes, definitely. Okay, cool. Good answer. Best wishes and Happy New Year from the Giant campus. Very good. Is this even a question?
Hello, my name is Abdurrahman Gimouz. I am from Algeria. I am a PhD student in microelectronics in the laboratory of subatomic physics and cosmology. I came here to Grenoble to have a lot of experience about it. It's famous. What is giant for you in three words? Passion, challenge, and innovation. Why I am a junior ambassador? Because I love to meet people. Meet more people in the industrial field, in the research field, to be a part of such experience. I can't miss it. What is the coolest thing about Giant Campus? It's big. I love big places and it's full of technology. Team Sweet or Team Salty? I would go with both of them. What is my thesis in three words? Superhero, cancer, and diamond. It's cool, my thesis. Team Star Trek and Team Star Wars? Of course, Star Wars. Darth Vader. Grenoble in the winter or in summer? Is this even a question? Summer is hell here. What's my plan to save the world? The best way to save the world is to understand each other and to go beyond our conflict. إلى اللقاء ونراكم قريبا في مجمع جاينت. J'évite de faire des résolutions, je les tiens jamais. Eh bien, je m'appelle Jean-Michel Guarant et je suis directeur adjoint de la valorisation du CEA. En quoi consiste votre travail? La valorisation au CEA, c'est quatre équipes. L'essaimage, d'abord, la création de start-up, l'accompagnement, le marketing et l'information scientifique et technique en support, les brevets, le juridique et l'intelligence économique. En trois mots, qu'est-ce que Giant? C'est une équipe sympathique d'abord. C'est de l'animation sur la presqu'île scientifique. Ce sont des actions d'éducation envers les collèges, les lycées, envers nos partenaires institutionnels. Que veut dire la recherche technologique? La recherche technologique, ça vient d'abord de l'idée que nous sommes face à des enjeux critiques. La sécurité, le réchauffement climatique, la démographie, l'emploi, la santé. Et que la réponse à ces enjeux, elle est au moins en partie technologique. Aujourd'hui, quels sont les principaux axes de la recherche technologique? La direction de la recherche technologique s'inscrit pleinement dans les axes technologiques du CEA, que sont les énergies nouvelles, le numérique et la santé. Et demain, eh bien, une série d'inflexions ont déjà été annoncées. L'hydrogène, les batteries, l'intelligence artificielle de confiance, l'industrie du futur, la cybersécurité et le quantique notamment. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans votre travail? J'adore l'environnement technologique, j'adore le lien avec les startups, j'adore le lien avec les industriels. Je suis vraiment convaincu de l'idée que la technologie et la recherche aident les industriels nationaux. Ah oui. Bûche au chocolat ou salade de fruits? Ben non, bûche au chocolat. Best wishes and happy new year on Giant Campus. Et bien là, je vais vous dire plutôt chocolat chaud. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Thierry Uring, délégué général de l'UDIMEC. L'UDIMEC, c'est un groupement d'industriels de plus de 600 entreprises, de la plus petite à la plus grosse. C'est presque 55 000 salariés. En trois mots, comment définir l'innovation? Si souvent l'innovation, notamment à Grenoble, c'est la technologie, les nouvelles technologies, nous, on pense, en tant que groupement d'industriels, que bien entendu, l'innovation technologique est importante, mais aussi toutes les autres innovations, y compris les innovations organisationnelles, parce que c'est l'innovation qui va être au cœur du développement de nos industries pour qu'elles soient toujours les plus créatrices de valeur. Nos partenaires sur le campus Giant, ils sont nombreux. Les premiers partenaires, ce sont effectivement nos propres entreprises adhérentes, puisque un certain nombre de nos grands groupes sont déjà sur le campus Giant. General Electric, ST Microelectronics. Mais il y a aussi d'autres, comme Xenos, qui vient de rejoindre le campus. Et tous ces autres partenaires, ce sont d'abord nos entreprises qui ont pu s'accrocher aux deux pôles de compétitivité, l'un Minalogic ici même, à Minatech, l'autre Ternalis, que nous hébergeons. Quelles sont les interactions entre science et industrie? Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les sciences comme vecteur de promotion pour que les jeunes que nous voulons évidemment accueillir dans nos entreprises puissent être toujours aussi passionnés. Quelle est votre passion? Ma passion, c'est de transmettre. Grenoble, vous préférez l'été ou l'hiver? Bah, comme beaucoup, quand j'ai fait mes études à Grenoble pour rejoindre Grenoble INP, mon premier choix, c'était parce que j'étais passionné de ski. Raclette ou tartiflette, j'ai pas envie de dire l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Meilleurs vœux et bonne année 2020 sur le campus Giant. Best wishes for next year. Is it okay?
So my name is Lucas. I have 28 years old. I'm from Brazil, and I'm currently doing a doctorate in GISCOP, the Grenoble NP, and I am a giant ambassador in the Giant Innovation Campus. What superhero are you? What's your superpower? I think I would be Doctor Strange because he actually developed his powers. A normal person that studies a lot. What is giant for you in three words? Innovation, partnership, and research. What's the last movie you see? And how was it? The movie that won the Oscar? Roma? Pretty good. Star Trek or Team Star Wars? Definitely Team Star Wars. I'm a huge fan. What is your thesis about in three words? Service, technology, and suppliers. What's your worst school experience? When I was a little, I used to play violin and I had to play it to the whole school and it was not really good. So that's kind of traumatic. What's your next travel destination? Today I'm going back to Brazil for my research project. Adeus, vejo vocês no Campus Giants. Je sais pas ce que ça donne, on aura là. My name is Ahmed Bsisi. I am a university professor at University Grenoble Alpes. I'm teaching microelectronics and nanotechnology. Christmas Day. Which ways you are a giant ambassador? I am heading the Inter-University Center for Microelectronics and Nanotechnology, the SIM Nanotech, which is active in the field of education in microelectronics and nanotechnology in initial training, but also in outreach activities targeting high school students and general public. Why is scientific outreach for youngs important? Universities must play a key role. They possess the ability to provide education, research, that means producing knowledge, transmitting knowledge, but also disseminating knowledge. Nano at School program, who is it targeting? The Nano at School program has been started almost 10 years ago by the SIM Nanotech together with Giant team to target high school students originating from different schools in the area. So the idea is to make these young students more aware about the challenges of microelectronics and nanotechnology. What is your favorite winter food? Certainly the gratin dauphinois. كل عام وأنتم بخير على حرم جامعي اللي اسمه جاين. Oh là là, t'es beau. T'as la classe à Dallas, j'ai envie de te dire. Je suis Audrey Scarangela et je suis responsable du centre de congrès de la Maison Minatech. Et moi, je suis Pascal Conche. Je travaille dans l'équipe de la Maison Minatech et je m'occupe d'événementiels scientifiques. En trois mots, pour vous, c'est quoi Giant? Ouverture, territoire, jeunesse. Wow. Un événement, ça sert à quoi? Un événement, ça sert à promouvoir, ça sert à rassembler les gens et ça sert aussi à avoir de la transversalité. Quels types d'événements sont organisés à la Maison Minatech? Ils sont très larges, ils peuvent être dans l'énergie, dans les matériaux, dans la microélectronique, la biologie, la médecine. Mais on accueille aussi d'autres événements. Giant ouvre ses portes au grand public à la Maison Minatech. Pourquoi c'est important? Pour la communication de ce que fait Giant, pour faire connaître aussi la Maison Minatech, cette presqu'île scientifique. C'est important qu'on montre aussi que nous, on s'ouvre aussi, on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre à ce territoire. Quel est votre meilleur souvenir d'événement? Je pense qu'on a le même. Voilà, meilleur souvenir d'événement, c'était une grosse galère en fait. La fameuse année où il est tombé 3 mètres de neige dans le Vercors au mois d'octobre. Et avec Audrey, on s'est retrouvés à accueillir cet événement un dimanche soir. Avec la neige, à chercher un tracteur sur le centre pour pouvoir venir nous déneiger, les chapiteaux moitié effondrés, avec des glaçons qui tombaient des poutres, on ne bougeait plus, on était tétanisés, on ne savait plus s'il fallait avancer, s'il fallait reculer. Donc c'était vraiment une grosse galère, mais vraiment notre meilleur souvenir. Et c'est bien que je le partage avec toi, parce que c'est vraiment un super souvenir. C'est quoi le vrai plus de la Maison Minatech comme centre de congrès? C'est une équipe, on a une super équipe. Des extérieurs, regardez un petit peu ces belles montagnes. Raclette ou fondue? Ben la fondue avec quelques petits cèpes bien séchés. Un meilleur vœu. Et bonne année 2020 sur le Campus Giant. Magic. I get home, we'll start a fire.